L'article 84 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin fait obligation aux communes de se doter d'un document de planification de développement. Et c'est pour se conformer à l'exigence de la loi que le maire de la commune de Zay a réuni tous les acteurs de développement à la base pour élaborer le plan de développement de sa commune troisième génération ce vendredi 23 novembre 2018. Pour l'autorité communale, la réussite du plan de développement communal PDC nécessite le concours de toute la population dans les ateliers communication devant conduire à l'élaboration du document. Nous voulons aujourd'hui lancer l'élaboration du PDC 3e génération. Dans ce cadre de l'élaboration de ce document de planification, plusieurs ateliers seront organisés au niveau des arrondissements et de la mairie. Je voudrais donc inviter tous les acteurs à divers niveaux à participer aux différents ateliers qui seront organisés à cet effet en faisant porter leur contribution et faciliter aux consultants la collecte d'informations fiables dans le cadre de l'élaboration du dit document. Mais je m'en voudrais de ne pas remercier tous les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre du PDC 2e génération. Petroni Oussou, directeur de cabinet Royal Service Plus, qui a en charge de conduire le processus, a rassuré l'opinion du suivi conséquent du processus et le respect des normes en vigueur relatives à l'élaboration du PDC en République du Bénin. L'élaboration de ce PDC qui couvrira, n'est-ce pas, la période de 2019 à 2023, se fera dans un contexte de durée relativement courte. Nous avons estimé à 4 mois, conformément à l'offre de mon cabinet. À cause de cela, nous exhortons, n'est-ce pas, toutes les parties prenantes à ce processus à faire de leur mieux pour que le processus aboutisse au résultat escompté dans un délai imparti. Les membres du cabinet ont, à travers une communication, entretenu l'assistance sur ce qu'est un plan de développement communal PDC et le processus de son élaboration. Rendez-vous dans 4 mois pour apprécier les résultats du document pour le développement des 11 arrondissements de la ville de Zay.